Cet été, avec la canicule, on a tous eu l'occasion de mesurer à quel point le climat avait un impact sur nous, sur notre santé, sur nos corps et aussi sur nos conditions de travail, notre santé au travail. Avec la commission Travail-Emploi, nous avons décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps et de voir comment ces nouveaux risques, ou en tout cas ces risques aggravés du fait du changement climatique, impactent la santé au travail. Cet avis s'inscrit pleinement dans la feuille de route que nous nous sommes fixée pour les 57 mandatures, puisque nous avons décidé tous ensemble que le sujet du rapport au travail et de l'évolution de chacun individuellement, mais aussi de la société collectivement dans son rapport au travail, serait le fil conducteur, la colonne vertébrale de nos travaux pendant ces 5 ans. Ces travaux s'inscriront pleinement dans les Assises du Travail, lancées le 2 décembre dernier par le ministère du Travail dans le cadre du CNR, puisque parmi les 3 thèmes retenus sur ces Assises du Travail, il y a bien évidemment le rapport au travail, la démocratie au travail, mais aussi un thème central qui est la santé et la qualité de vie au travail. La Commission a décidé de lancer un questionnaire pour alimenter ces travaux. Ce questionnaire est en direction de l'ensemble du monde du travail, en privilégiant bien sûr les élus et mandatés, qu'ils soient salariés ou employeurs, car nous souhaitons ardemment que ce soit bien l'ensemble du monde du travail qui réponde à ce questionnaire. Ce questionnaire répond à une demande, répond à un besoin, et il va d'une manière très efficace alimenter nos travaux.